Aujourd'hui, nous étions sur un espace national donc, de formation à Montauban qui a été axé sur la pratique des katas supérieurs, c'est-à-dire le Juno Kata qui est demandé pour le 5e Dan et le Koshiki no Kata qui est demandé pour l'examen du 6e Dan. Dans l'idée, c'est en fait d'apprendre ce kata ou alors de se perfectionner ou simplement le pratiquer pour le plaisir. Voilà, donc nous avons divisé le groupe en deux parties et chacun pouvait donc pratiquer le kata qu'il souhaitait voilà, pour pouvoir ou apprendre ou progresser. On a été invité sur cet espace national donc à Montauban, dans ce magnifique dojo. Et voilà, on est très content d'avoir pu refaire du judo sans distanciation, d'accord, avec contact, avec tous ces professeurs qui préparent les grades. Voilà, c'était un grand moment d'échange, un grand moment de convivialité. Il y a eu du travail avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Alors cet espace national donc en théorie donc est ouvert à tous les licenciés de la Fédération de judo, mais c'est vrai que par rapport à la situation particulière, donc nous avons réservé cet espace national aux enseignants. Et sur ce thème précis des katas supérieurs, il s'agit de la seule plateforme technique qui existe en France. C'est vrai que sur les autres ligues, bon, très souvent on fait d'autres espaces nationaux, mais qui n'ont pas trait à ces katas supérieurs. Donc c'est vraiment la seule plateforme qui existe à ce titre-là. Et donc par rapport à l'évolution, en fait, parce que cet espace national existe depuis 4-5 ans à peu près, moi j'ai pu assister à la première plateforme où il y avait 30-35 personnes. Et voilà, quand on voit l'évolution ici avec plus de 80 personnes, bah, on est assez content du résultat. Et on voit que finalement, il y a une demande au niveau de nos enseignants pour pratiquer ces katas.